Une fois et félicitations au ministère de la Santé. Je voudrais vraiment remercier du fond de mon cœur l'ambassadrice et nos partenaires français. Moi, je m'appelle Béate et je voudrais vraiment remercier à vous tous que vous avez montré aujourd'hui. Je suis vraiment touchée et merci docteur Abdourahmane pour nous montrer à tout ce centre. Vous avez déjà beaucoup dit et moi, je voudrais partager seulement deux mots. J'ai pensé à tous les secteurs où l'UNICEF s'est investi. Parce qu'on a parlé de la santé, j'ai appris beaucoup par rapport à diabète, et toutes les causes derrière. Mais aussi, j'ai réalisé que la nutrition, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup touché et c'est vraiment lié. Et surtout avec Stéphane, on a parlé aussi de différents types de diabète. Et je crois ici, j'ai pu voir qu'on a de différents types des enfants vulnérables qui se trouvent ici. Et ça, c'est une bonne chance pour nous, je crois, de mettre en lien les différents secteurs. Je voudrais aussi parler de l'éducation parce que je crois qu'il faut que tout le monde connaisse ce centre, tout le monde connaisse le travail de ce centre et aussi d'élaborer une stratégie ensemble, comment on pourrait vraiment toucher les populations les plus vulnérables sur le terrain. Parce que c'est surtout sur le terrain, en dehors, où on trouve les populations, les enfants qui en ce moment n'ont pas accès à ce service. Et l'UNICEF est à côté de vous pour vraiment aider à trouver une bonne stratégie. Je voudrais aussi remercier mon collègue de OMS et tout le monde, on est là, les gardes-côtes, tout le monde qui est rassemblé ici. Et on veut assurer que vraiment le système des Nations Unies est ensemble avec vous. Un grand merci et félicitations. Choukran. Merci. Merci.